Numéro 18. Non. Je voulais vous présenter Monsieur Moïse. Franchement, l'élite aussi le ciel. Soyez mon Élise. On applaudit, s'il vous plaît. Bien, maman. Merci d'être venu. Et c'était les 10 ans. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis quand même candidate. Non. Je vais te montrer sa photo. Parce qu'il faudrait que tu... Allez, on joue, voilà. On suit la caméra. Voilà. Voilà. En fait, je suis dans la... C'est que la partenaire. Je suis fière d'être ivoirienne, je suis fière aussi d'être française et je suis surtout fière de pouvoir représenter la Côte d'Ivoire à l'international. Et j'ai hâte d'aller à Abidjan pour la grande finale nationale. Bah, c'est de pouvoir représenter déjà la beauté ivoirienne au niveau de la diaspora hein, et puis notre culture, l'intelligence aussi, de pouvoir réaliser des projets humanitaires et tout simplement montrer que c'est un mélange de cultures hein, parce que les candidates qui participent à cette élection sont d'origine ivoirienne mais vivent ici en France et c'est un mixage et ça fait 10 ans que ça dure. Voilà. Bah, c'est un peu l'aboutissement quand même de plusieurs mois de travail, donc oui, c'est quand même un petit peu un rêve qui se réalise. Donc surtout beaucoup d'excitation, mais je pense qu'on ne réalise pas encore vraiment ce qui se passe. C'est un peu mitigé, je suis pressée d'être sur scène parce que mes proches sont venus me voir pour m'encourager. Je veux rendre fière ma mère tout simplement et vivre ce moment à fond. Donc excitée mais stressée. Ça fait plaisir déjà pour avoir un petit visuel de la culture africaine à côté de chez nous, ça fait toujours du bien. Un petit peu de retour aux sources. Un événement comme ça, ça a toute sa place, surtout dans notre, notre communauté africaine ici en France, où on a nos jeunes qui sont nés ici, qui ne connaissent pas forcément les pays. Bah, c'est très important de les apprendre d'où nos parents viennent, d'où est-ce qu'ils viennent, leurs origines.